maintenant, Unai Biurrun. Il va nous parler de la détection automatique de météo en temps réel. Bonjour, je suis Unai Biurrun Villacorta, diplômée en ingénierie informatique par l'Université de Navarre. Je vais parler de la détection automatique des météores en temps réel. C'est sur la base de mon travail de fin de diplôme. Je tiens à vous remercier, remercier l'Université publique de Navarre, en particulier aux chercheurs, professeurs du département de statistiques informatiques et mathématiques, Matthias Jaumers et François Jaumers, qui ont fait possible tout ce travail, qui m'ont soutenu. Je tiens à remercier le Planétarium également de m'avoir invité et le reste Astro Navarra, ainsi que toutes les personnes impliquées dans ce projet. Et merci à vous tous et toutes d'être venus ici aujourd'hui. Merci. Donc, j'ai divisé ma présentation en 5 points. Je vais faire une petite introduction concernant la motivation de ce projet. Puis après, je vais continuer avec les phases que je considère plus importantes pour développer un système de ce type. Je vais proposer quelques améliorations de résultats moyennant des un meilleur processus de traitement et d'image, et puis conclusion. Donc, je vais parler d'une collaboration entre Lublin et la Southwestern Europe Meteor Network. Il s'agit d'un projet collaboratif coordonné par l'Institut d'astrophysique d'Andalousie. L'organisation, ce projet a 4 objectifs: détection, triangulation, analyse et récupération de météores. Lugna collabore dans ce projet par une installation qui compte une caméra astronomique SBIG ST402 et qui a été améliorée grâce à la collaboration d'étudiants et autres. À présent, ces installations peuvent capturer et stocker des images tous les jours de manière tout à fait automatique. Il y a également un système de rapport automatique journalier. Donc, vous pouvez imaginer que cette installation est énorme et il faut superviser d'une manière manuelle. Cela demande beaucoup de temps. Et si on additionne cela au manque de temps que nous avons, cela rend difficile le processus. Donc, il nous faudrait un système de détection automatique de météores. Donc, ce travail va proposer l'utilisation de l'apprentissage automatique afin de résoudre ce problème. Le machine learning travaille ou développe des modèles mathématiques qui sont utilisés pour nous donner un résultat. Et dans ce cas-là, nous avons un problème de classification binaire d'images, c'est-à-dire nous allons prendre les images capturées, on va les diviser en images classe 0 à gauche, images sans météores et images de classe 1 avec des météores. Il y a une grande quantité de modèles techniques pour résoudre ce problème. Dans ce cas-là, nous allons utiliser des réseaux neuronaux convolutifs CNN. On pourrait parler pendant des heures concernant ces modèles, mais ce n'est pas l'objectif de cette présentation. Je vais donc me concentrer plutôt sur les phases nécessaires pour développer un système de ce type. La première phase, la plus importante, sera donc l'analyse des données et une solution pour les problèmes existants là-dessus. Dans ce cas-là, nous avions 6 disques durs HDD d'images dans l'échelle de gris et deux formats, GPG, FITS et SBIG. Quelques problèmes rencontrés, des gammes de valeurs différentes dans les variables présentées, dans ce cas-là, en quantité de pixels, etc. Chacun de ces problèmes doit être attaqué d'une manière différente. Vous voyez ici les solutions les plus habituelles, vous le voyez sur ces tableaux-là. Donc, on pourrait également parler pendant des heures concernant cette phase-là, mais je vais passer à la définition et l'entraînement du modèle d'apprentissage CNN. Donc,
L'entraînement d'un réseau CNN demande beaucoup de temps puisqu'il y a une grande quantité de paramètres. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail ici, mais je vais souligner l'utilisation d'une technique qu'on appelle transfer learning, c'est-à-dire un apprentissage par transfert. Dans ces cas-là, en particulier, il s'agit de prendre un modèle entraîné pour une tâche particulière, comme par exemple la reconnaissance de panneaux de trafic, et puis l'adapter à une autre fonction, la détection de météores dans ce cas-là. Et cela pourra se faire avec une possibilité de réussite différente. Donc, cela nous permet de épargner de ressources et utiliser des modèles d'apprentissage qui ont déjà été testés. Dans notre cas, nous avons utilisé MobileNet V3, deux versions du réseau EfficientNet et puis le ResNet V2. Le résultat de cet entraînement, c'est ce que vous voyez ici, pour quelques métriques d'entraînement que je ne vais pas détailler non plus, puisque je n'ai pas le temps. Je vais indiquer que de ces trois modèles, il faut surligner EfficientNet V7 et MobileNet V3. Il n'y a pas de grande différence concernant la qualité de prédiction, mais il y a beaucoup de différences sur le temps d'entraînement et prédiction. Comme vous le voyez ici, EfficientNet V7 a été beaucoup plus long, avec un entraînement de 14 heures pour un ensemble de données ne pas très grand. 200 000 images, on pourrait en avoir beaucoup plus. En revanche, il faut dire que tous les modèles ont eu des vitesses très élevées, ce qui permet leur utilisation dans des scénarios de temps réel, comme vous le voyez dans le tableau inférieur. N'importe quel modèle nous donne des taux de prédiction supérieurs à 25 images par seconde, ce qui est assez bien. Tout cela dépend du hardware utilisé. Nous avons utilisé une GPU GTX 1080 Ti. Il y a d'autres alternatives plus puissantes et beaucoup plus puissantes qui ont besoin de moins de temps, qui seraient plus rapides. Pour améliorer les résultats, nous pouvons appliquer beaucoup de processus. On pourrait modifier le modèle, des techniques de traitement de données génériques, etc. Lorsqu'on travaille avec des images, ce serait peut-être intéressant que de tester une technique de traitement d'images. Il y a beaucoup de traitements possibles, quelques-uns sont très simples, qui nous permettent d'éclaircir les images, ou au contraire. Dans ce cas-là, nous avons testé deux traitements. Premièrement, on va dynamiser les sentiers, puis après, on va utiliser un autre système qui ne va pas améliorer le résultat. Donc le premier de ce processus est basé sur l'utilisation de deux images consécutives chronologiquement pour éliminer les objets statiques des images, comme des étoiles et des nuages ou autres objets qui pourraient être statiques à une vitesse plus lente, plus basse. Puis on applique un filtre pour améliorer l'apprentissage. Puis le deuxième système, ce serait l'essayage, le méthode d'Ochoa, pour obtenir des images séparées sur le fond, qui sera un noir, et l'objet, dans ce cas-là, un blanc. L'essayage, un blanc. Donc, dans quelques cas, ce traitement peut aider à l'apprentissage, comme c'est le cas ici, où la stèle est visible. Quelquefois, ces traitements n'aident pas beaucoup, comme c'est le cas des deux images inférieures. Comme vous le voyez, la stèle est tout à fait perdue. Dans ce cas-là, elle était visible, mais elle n'est plus visible là, en droite. Donc voilà, le rendement d'un modèle tout en utilisant ce deuxième traitement est moins important. Donc le premier système permet d'améliorer les résultats, alors que le deuxième ne permet pas de les améliorer. Avant de finaliser ma présentation, je veux partager quelques conclusions concernant ce travail. D'abord, la vitesse de prédiction est élevée dans tous les modèles, ce qui permet l'utilisation en temps réel. Et puis deuxièmement, je dirais que, en définitive, ces modèles pourraient être utiles pour le SWAM et autres types de projets astronomiques. On n'a pas besoin de l'utiliser sur des images, on pourrait utiliser d'autres modèles pour analyser d'autres types de
de données. En fin de compte, les modèles d'apprentissage peuvent s'appliquer à beaucoup de tâches bien différentes. Et voilà la fin de ma présentation. Merci beaucoup de votre attention. Y a-t-il des questions ? Oui, bonjour. J'avais compris le titre de la présentation. J'avais compris en fait que ce que vous allez proposer, c'est une détection automatique continue. Mais j'imagine qu'il ne s'agit que d'une application avec des images nocturnes. Ce n'est pas applicable à des images obtenues par jour, pendant le jour. Les modèles d'apprentissage, dans ce cas-là, permettent d'élaborer, de créer un logiciel où on peut passer des images constamment et on obtient un résultat immédiat. Alors, si les images... Enfin, il faudrait entraîner le modèle avec des idées, des images qui ont été prises pendant le jour et non pas pendant la nuit. Ok, donc la partie de la détection diurne serait... Enfin, il faudrait présenter au système quelques images qui aient un contraste, une luminosité suffisante pour détecter des météores sur des images diurnes. Très bien. Oui, pour entraîner un modèle d'apprentissage, les données avec lesquelles on va l'entraîner doivent être semblables aux données réelles. Il faut qu'elles soient variées pour garantir des meilleurs résultats. Donc le système que vous avez étudié, est-ce que vous avez tenu compte, imagine la possibilité de traiter des sujets d'astrométrie, orbite, tout cela. Est-ce que le système va être capable d'identifier des constellations, etc. Dans ce cas-là, on se concentrait sur des météores spécifiquement, alors le modèle tel quel ne serait pas applicable pour cette tâche. Donc, à l'origine, on a pensé que le système pourrait détecter des météores et également trianguler la trajectoire de ces météores. On n'a pas réussi à le faire par des questions de temps parce qu'un travail de fin de diplôme ne dure que 4 mois. Donc, avec quelques adaptations, ce serait possible. Oui, d'accord, merci beaucoup. Oui, bonjour. Tout d'abord, félicitations pour cette présentation. Tu es très jeune et ça me donne l'espoir. Hein. Les choses continuent, hein. La vie continue. Lorsque je fais face à des problèmes informatiques, je suis surpris parce que je vois l'interaction entre le software et le hardware. Mais quelle est l'importance du hardware dans ce système-là? Parce que j'imagine qu'une caméra, une bonne caméra peut améliorer les résultats, ou c'est peut-être le software, le logiciel qui ne permet que d'apprendre à une machine à traiter des données qui pourraient être améliorées, évidemment. Pour obtenir une connaissance, c'est vrai que le plus important serait le software. Mais pour obtenir des données de qualité et puis surtout pour respecter des demandes techniques, le hardware est fondamental, c'est-à-dire une caméra, un appareil qui ne peut pas obtenir des images assez rapidement va nous permettre d'obtenir un résultat qui ne serait pas aussi bon. Sí, me gustaría saber si se puede aplicar a las redes Freeform, por ejemplo. No sé si conoces las redes Freeform. Un poquito. Es un programa de detección por cámara que observa y que procede por triangulación precisamente después para calcular las trayectorias de los meteoros, etcétera. Meteoritos, etcétera. Si es posible aplicar este programa, sería posible, pero como ya he dicho antes, habría que realizar algunas modificaciones del propio programa. Habría que adaptarlo para poder utilizarlo con ese objetivo. Muy bien, gracias.
Y a-t-il d'autres questions? On a le temps. Hein? Non? Très bien. Merci de votre attention. Ah, voilà.